Vous êtes un acteur politique au sein d'Ensemble pour la République. Il y a certains candidats qui ont été invalidés par la CENI. Mais la Cour de cassation a dit que, en tout cas, a ordonné que ces députés invalidés ne puissent pas quitter le pays. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne décision au problème qui guette la RDC actuellement sur le plan politique? Moi, je pense que, comme nous avions commencé à dénoncer dès le début de ces élections chaotiques que nous avons tous vécues, c'était le moment que les Congolais devraient maintenant nous croire. L'invalidation des plus de 80 et quelques députés, c'est l'une des preuves que nous avons toujours dit que dans ces élections ont été chaotiques, raison pour laquelle nous, étant Ensemble pour la République, nous avons demandé les annulations pires et simples. Aujourd'hui, lorsque M. Denis Kadima, le président de la centrale électorale, prend la décision d'invalider certains candidats, bien sûr, en majorité proche de M. Félix Tshisekedi, cela montre comme une preuve que non, voilà, ces élections ont été chaotiques. Mais maintenant, imaginez-vous, les députés ont été invalidés, oui, c'est bien. Mais parmi ces députés-là, parmi tous ces députés, si on peut le dire, ils ont été proches de Félix Tshisekedi. Ils ont voté pour Félix Tshisekedi. Ils ont fraudé pour Félix Tshisekedi. Mais pourquoi invalider certains candidats proches de M. Félix Tshisekedi et laisser M. Félix Tshisekedi? Moi, je pense que si M. Kadima était sérieux et était sage, la seule décision qu'il pourra faire, c'est bien sûr d'annuler ces élections lorsque nous avons commencé à crier en ce qui concerne les fraudes massives que nous avons tous vécues. Pendant ce temps, il y a votre leader Moïse Katumbi qui a été étouffé à son domicile à Kachobwe. Il y a eu vraiment les vidéos qui ont circulé des armes lourdes. On l'interdisait de quitter sa résidence. Cela, qu'est-ce que vous a fait sur le plan psychique? Est-ce qu'une manière de vous intimider ou continuer à vous montrer que vous ne ferez rien? Bon, moi, je pense que pour cet acte de barbarie ou d'intimidation que notre président national Moïse Katumbi venait d'être victime, c'est l'une des preuves que non, l'état de droit n'a jamais existé. Parce que imaginez-vous un président national et un parti comme Moïse Katumbi, quelqu'un qui n'a commis aucune infraction, il est chez lui, alors qu'il voulait faire un petit déplacement directement, la route est barricadée et puis certains éléments de la sécurité, notamment de la police, lourdement armée, l'empêchent de ne pas faire des déplacements. Moi, je pense que c'est déjà une preuve que nous avons toujours dénoncé et dire que non, voilà, l'état des droits n'existait pas. Alors, en ce qui concerne ces problèmes, nous étant Ensemble pour la République, un parti pacifiste, nous n'avons pas voulu agir comme des voyous. Mais bien sûr que nous avons aussi cette compétence. Alors, au moment où je vous parle, nous avons déjà alerté les officines occidentales afin qu'elles soient comme témoins. Parce que dans les jours à venir, nous n'accepterons pas que notre président national, Moïse Katumbi, puisse subir ce genre de bêtises de la part du pouvoir en place. Moïse Katumbi, c'est tout un citoyen congolais. Mais comment aujourd'hui les déplacements de Moïse Katumbi doivent être contrôlés par les services de sécurité? Est-ce que Moïse Katumbi, c'était un danger pour la RDC? C'était un bandit, c'était un criminel. Hein? Il a commis quelle infraction pour qu'il soit empêché à chaque fois lorsqu'il veut faire ses déplacements? Alors nous alertons la communauté internationale de prendre toutes ces mesures possibles. Parce que quoi qu'il se soit, ce qui arrivera à notre président, toute la population congolaise est en train d'observer. Et nous, étant qu'Ensemble pour la République, nous allons prendre certaines mesures pour montrer à ces faux pouvoirs que nous, voilà, nous ne sommes plus dupes, ou bien nous ne sommes plus faibles face à toutes ces manigas qui sont tentés de faire à l'égard de la personne de notre président national, Moïse Katumbi. Mais les 82 députés invalidés par la CENI viennent de saisir aujourd'hui le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette décision de la CENI. Vous, en tant qu'Ensemble, vous pensez qu'ils sont en train de prendre le droit? Mais moi, je pense que non, si ces députés étaient sages, ils ne pourront même pas saisir la justice. Parce que nous avons tous vécu, nous avons des preuves palpables qui montrent comment ces députés avaient triché, qui montrent comment ces députés avaient utilisé des machines dans leur maison. Hein, comme quelque chose de personnel. Mais si aujourd'hui ils prennent une décision, ils prennent le courage d'aller saisir la justice, à moins que notre justice soit type. Si notre justice est sérieuse, moi je pense que c'est le moment. Hein, tous ces députés
qui ont été invalidés par la CENI, je pense que dans la réalité, ils doivent être arrêtés et poursuivis. Pourquoi même pas être condamnés? Monsieur Franck, est-ce qu'on peut seulement accuser ces députés ou carrément commencer par la CENI? Parce que c'est inadmissible que la personne puisse se retrouver avec une machine à voter dans son domicile et pourtant que normalement ces machines devaient se retrouver dans la logistique de la CENI. Vous savez, nous, en tant qu'Ensemble pour la République, voire même la CINCO, nous avons posé plusieurs questions à la CENI de nous dire combien de machines ont été dépêchées et dans toutes les régions de la République avant les élections. Cette question n'a jamais été répondue à la CENI. Alors aujourd'hui, lorsque nous voyons toutes ces manigances où nous avons vécu pendant le moment de vote, certains proches de Félix utilisent des machines d'une manière abusive dans leur maison ou bien dans leur circonscription d'une manière légale, moi je pense que c'est déjà une preuve que nous avons dit à la CENI que non, voilà, la CENI elle-même n'a pas les contrôles de toutes ces machines. La CENI elle-même n'a pas les contrôles de tous les kits électoraux. Et voilà la preuve aujourd'hui où en sommes-nous. Hein? Vous voyez? Alors, pour la question sécuritaire, à Goma, l'espace de trois jours, plus de 5 personnes ont été kidnappées, notamment une fille étudiante et également un enfant scout. Malheureusement, pour lui, il est détruit. Quelle analyse vous faites face à cette situation? Moi, je pense que nous sommes déjà plus de 2 ans, bientôt 3 ans, qui est la ville de Goma où tous les Nord Kivu est sous l'état de siège. Et comme tout est kivoussière, c'est vrai, tout au début, nous avons espéré que non, voilà, avec l'état de siège qui a été rétabli dans notre province, la sécurité pourrait être rétablie. Mais dommage, pendant plus de 2 ans, bientôt 3 ans, l'état de siège a échoué. Aujourd'hui, ce que nous avons vécu avant le siège, avant l'état de siège, continue à y être pour le cas de l'insécurité. Et aujourd'hui, comme vous venez de dire, certains de nos frères et sœurs ont été victimes de kidnapping. Jusque-là, on ne sait même pas parce que l'autorité compétente de la ville de Goma ne s'est même pas prononcée quant à cette affaire. Raison pour laquelle nous, État, ensemble pour la République, même au niveau de la jeunesse, nous étions déjà en train de planifier une action pour imposer, afin d'exiger la libération de tous ces gens qui ont été kidnappés. Parce que nous savons bien que nous, sans notre pression, on crée fort que non, quelque chose pourrait arriver à toutes ces victimes. Parce que sous nos espérons, bien à notre État, il ne pourra rien faire. Raison pour laquelle nous, État, que la jeunesse de l'ensemble de toute la République, on a déjà fait une réunion de crise depuis hier soir quant à ces problèmes, afin que nous pouvons faire ce qui sera de notre niveau. Quel conseil vous donnez à RTL? Bon, RTL, je ne saurais pas vraiment comment qualifier les réseaux RTL. Plusieurs fois, nous avons dénoncé ces réseaux parce que c'est un réseau que nous savons bien que nous, qui travaille avec des malfaiteurs. Parce que comment, à chaque fois, lorsqu'il y a des cas de kidnapping, les kidnappés font toujours recours à ces réseaux. Tandis que au Congo, nous avons beaucoup de réseaux, mais pourquoi toujours RTL, à chaque fois lorsque les kidnappeurs font leurs affaires, ils demandent les rançons toujours sur les réseaux RTL. Donc nous comprenons que non, les réseaux RTL sont complices. Hein? Nous ne cessons pas de dénoncer ces réseaux. Moi, je pense que dans un moment, comme nos amis des mouvements citoyens commençaient à dire, les réseaux RTL méritaient d'être boycottés par tous les Congolais. Moi-même, personnellement, à un moment, j'utilisais la carte SIM RTL, mais pour le moment, je l'utilise pas parce que c'est un réseau que je qualifie de malfaiteur. Hier, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a interdit à tous les députés invalidés de quitter le sol congolais. Pensez-vous que cela sera une solution durable? Je commence par vous saluer, chers journalistes. Je vous souhaite lever le meilleur pour l'an 2024. Et c'est là qui vont nous suivre ce soir. La décision qui a été prise par le président de la Cour constitutionnelle, pour moi, c'est une décision salvatrice pour la République. Plusieurs fois, nous avons assisté à des immoralités qui n'ont pas été sanctionnées. Et des fois, on laissait les gens dans une certaine liberté, un libertinage même, je dirais, leur permettant d'aller ailleurs pour aller semer les chaos au pays. Le fait de circonscrire ces gens au pays, c'est une manière de le mettre hors d'état de nuire. Et comment vous avez trouvé, certaines provinces n'ont pas été
affectés par cette mesure de destitution, de déchéance de certains députés. Et pourtant qu'il y aurait des cas signalés de dérapage lors des élections du 20 décembre. La CENU est une institution indépendante et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Le pouvoir n'a aucun ordre à intimer à cette institution. Nous pensons que les enquêtes continuent et qu'en fin de compte, on finira par toucher toute personne qui s'est permis de tremper dans cette bêtise. S'il n'y en a pas dans telle ou telle autre province, nous allons constater. Nous vivons aussi les réalités comme vous les vivez aussi. Nous attendons voir la dernière décision de la CENU. S'il y en a un ordre qui vaut, c'est vraiment qu'on va avec un ordre qui vaut. Il y aura aussi des invalides. S'il n'y en a pas, on va constater ensemble. Quelle est opportune cette décision de la CENU conseillère? La décision de valider les insurgés. Et dire qu'ils ne vont pas quitter la République. Parce qu'aujourd'hui, ils viennent de saisir aussi le conseil d'État pour dire cette décision ne vont pas se présenter. Cette décision, elle est très réfléchie, à mon avis. Et elle vaut la peine d'être prise. Pourquoi? Parce que la première des choses, vous rencontrez quelqu'un en train de vouloir violer votre fille, même s'il ne l'a pas encore violée, l'infraction est déjà consommée. A fortiori, quelqu'un qui a déjà volé, il est attrapé en flagrance. On ne peut pas ne pas le contrer à répondre de ses actes. La décision de la CENI, la décision de la Cour constitutionnelle, c'est une décision qui vaut la peine d'être prise telle qu'elle a été prise. D'ailleurs, ce sont des personnes qui devraient déjà être entre quatre murs en attendant qu'elles soient jugées. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on continue à les garder en dehors des maisons carcérales. Mais vous avez aussi voté pour le président Félix Tshisekedi. Faudra-t-il aussi annuler la candidature du président Félix? Bon, c'est vous qui m'apprenez que les 82 ont voté pour Félix Tshisekedi, je n'en ai pas de preuves. Ils ont été attrapés, chacun sait dans quoi il a versé. Je ne sais pas qui ils ont voté. Il peut y avoir ceux-là qui ont voté pour Maurice Kantoupi, ceux-là qui ont voté pour les autres. Je ne sais pas dire qu'ils ont voté pour Félix Tshisekedi. Chacun est libre et a voté pour celui qu'il a préféré.